Do not say yes! Est-ce là ton ultime combat héroïque? Tant d'années durant, tu as châtié des âmes arrogantes. Mais au lieu d'apprendre de leur souffrance, la tienne s'est également pervertie. Tu devais juste obéir. Oh, ne t'en fais pas. Bah, tu vas assister au spectacle magistral qui s'annonce. Chaque précieuse goutte d'anima, péniblement arrachée à l'âme torturée des créatures inférieures, pave désormais la route du banni vers ce qui lui revient de droit. Une fois libéré de ses entraves, alors sa volonté seule suffira à tout éradiquer. La seule puissance qui émergera de ce torrent impétueux sera la mort. La mort et ceux qui auront assuré sa victoire. Quelqu'un vous en empêchera, Denatrius. Même si j'ai... Ah ! Chut ! Ne parle pas. Observe. N'oublie jamais cette leçon. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour un petit peu débrief, tout simplement, cette cinématique de clôture, je dirais, de pexing. Donc une fois que vous avez fini, tout simplement, normalement à ce moment-là, vous êtes niveau 60 dans le jeu, hein. Normalement, si vous n'avez pas fini, bon, il reste 2-3 petits trucs, mais normalement c'est fini. Entre les quêtes principales et les quêtes secondaires, vous devez largement arriver niveau 60 à ce niveau-là. Et du coup, eh bien, on arrive sur la cinématique de fin du pex, qui va normalement juste après aboutir au raid de Natria et du coup au choix de congrégation, surtout au choix de congrégation avant normalement le raid de Natria d'ailleurs, ou après, ça dépend de vos préférences de gameplay. Mais donc c'est assez intéressant parce que je sais pas si... Alors on va commencer par un petit mea culpa, enfin c'est pas un mea culpa, mais c'est juste que vous savez, j'avais fait une vidéo sur l'analyse du trailer et j'avais dit que cette cinématique, je posais la question et ma théorie c'était peut-être que c'était une cinématique flashback pour voir l'époque où, parce qu'on savait que l'accusatrice Renata, enfin on savait que Renata est la conservatrice. Alors la conservatrice, pour un petit rappel, c'est celle qui est là, hein. Là on a l'accusatrice Renata au niveau des personnages de Ravendress. Après ne vous en faites pas, je ferai des vidéos qui parleront de l'histoire du PEX. Donc de chaque zone, Bastion, Malraxus, Sylvarden, Ravendress, histoire de vraiment tout récapituler, reparler de tous les personnages, etc. J'ai prévu de le faire alors pour l'année 2021 du coup, puisque c'est normalement la dernière vidéo de 2020. Et on verra donc un petit peu plus l'évolution des zones vraiment en détail. Maintenant on va faire un petit résumé bien sûr, mais en gros on aide une rébellion de Ravendress en aidant notamment, enfin au départ on est du côté de Denatrius et petit à petit on apprend sa fourberie et sa trahison, et au final eh bien on va rejoindre le camp de la rébellion qui à ce moment là est dirigé par l'accusatrice, donc ce personnage là, et ce personnage là vous dit qu'en fait la rébellion pourra jamais gagner sans Renatal, sans le prince Renatal qui est ce personnage là.
Et lorsqu'on libère le Renatal, Renatal dit qu'il faut qu'on libère également la conservatrice qui est ici. Ce sont des personnages qui seront très importants dans la campagne de congrégation de Revendreth, parce que c'est tout simplement le top 3 de la rébellion en fait. Hein. C'est le top 3, numéro 1, numéro 2, numéro 3. En plus, j'ai même pas fait gaffe, mais c'est dans l'ordre. Hein. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Après, bien sûr, il y a le général Draven en plus, mais bon, là, c'est pas le cas. Et du coup, bon, général Draven qui est plutôt un militaire. Et en l'occurrence, donc, on a ces trois personnages-là qui partent affronter justement à ce moment-là de la cinématique Draven, le général Draven qui est un vice-pierre, donc hein, c'est une espèce de gargouille, là, les gargouilles, et bien tout simplement lui il est parti affronter les deux grands généraux que vous affronterez dans le château de Natria. Donc lui il est occupé, hein, ça c'était plutôt pas mal fait, c'est que chacun un petit peu s'occupe de tout le monde, et pour nous permettre de dégager le territoire avec tout simplement ces trois-là qui vont affronter Denatrius. Ça se passe pas vraiment comme prévu, comme on le voit bien sûr. Donc là on voit en plus le château de Natria, puisqu'on est dans une zone assez... Alors j'ai oublié le nom, mais on est dans une zone, c'est un peu les jardins de Natria. Et ce qui est assez intéressant, c'est que du coup... Eh bien, Denatrius enlève les deux, et c'est vrai qu'à ce moment-là, moi j'ai cru que c'était l'enlèvement, donc le flashback du moment en fait où Renatal allait être envoyé vers l'antre, et l'accusatrice allait se libérer. Au final, je pensais qu'on allait voir l'accusatrice libérée, et au final, je pensais qu'on allait voir du coup la conservatrice être enlevée dans l'antre. Eh bien, pas du tout, c'est pas du tout ça, hein. C'est, au final, c'est la fin. Donc, si je m'étais trompé à ce niveau-là, mea culpa. Bon, mea culpa, c'était juste. J'avais anticipé potentiellement que c'était ça, puisque en ayant joué la bêta, on savait que Renatal avait été enlevé, mais en fait, non, c'est pas du tout le flashback, c'est juste que Renatal, eh bien, va perdre deux fois contre Denatrius. Pas une fois, mais deux fois contre Denatrius. La première, on la verra jamais, mais on nous en parle dans les quêtes. Ce qui va conduire à son enfermement dans l'antre. On le libère ainsi que la conservatrice, et là, eh bien, ils vont de nouveau affronter Denatrius, et de nouveau échouer contre Denatrius. Donc en gros, ça va faire trois combats, parce que si on compte ensuite le château de Natria, c'est jamais 203, quoi, hein, mais à la fin, bon, bah, on gagne quand même. Mais il aura fallu attendre la troisième. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que Renatal, je vais en reparler un petit peu, mais après, parce que ce personnage-là est quand même assez important dans Revendreth. Donc déjà rien que ce moment-là nous montre que bah, les deux autres ont perdu, même si c'est pas... L'accusatrice est quand même très puissante. La conservatrice, même si elle est aussi très puissante, parce que je rappelle que les trois sont des moissonneurs. Qu'est-ce que les moissonneurs? La cour des moissonneurs, c'est tout simplement, en gros, les 6000 péchés capitaux, les 7 péchés capitaux, mais c'est pas ça, hein. C'est pas les 7 péchés capitaux, pas tout à fait. Mais en gros, c'est les personnes les plus puissantes qui sont directement aux ordres de Denatrius. Donc on a Denatrius qui est au top, au sommet de Revendreth, c'est un éternel, hein, Denatrius. Les vidéos sur les éternels, j'en ai déjà faites, donc je reviendrai pas dessus, mais c'est le grand patron et c'est celui qui a créé Revendreth. En dessous, on a les 7 moissonneurs qui sont les 7 plus puissants de la cour de Denatrius. Et d'ailleurs, ils ont ce qu'on appelle... le médaillon du moissonneur. Ce médaillon du moissonneur, c'est le truc qu'ils ont autour du cou, avec une partie du pouvoir de Denatrius. Denatrius est tellement puissant qu'il est obligé de scinder une partie de son pouvoir dans ses médaillons, et pour donner aussi du pouvoir à ses principaux lieutenants en plus. Et du coup, ses principaux lieutenants ont les médaillons des moissonneurs. Et en fait, bah, y a 4 moissonneurs qui sont restés fidèles à Denatrius, et 3 qui forment la rébellion. Les 3 que vous avez vus juste avant, ce sont les 3 moissonneurs. Donc, alors, l'accusatrice, c'est... Bon, je vais pas revenir sur... De toute façon, je ferai une vidéo sur Revendreth où je rappellerai les 7 moissonneurs, donc c'est pas grave. Mais il me semble de tête, il y a la domination, c'est Renatal. L'accusatrice, bah du coup, c'est... Bah c'est l'accusatrice, en fait. Enfin, c'est... Bon, j'ai oublié. Et la conservatrice, par contre, elle, j'ai totalement oublié son médaillon, ce que c'est. Donc c'est pas grave. Mais de toute façon, je ferai une vidéo pour être... Là, c'est du détail. C'est peut-être même un peu perdu certains d'entre vous, mais c'est pas trop grave. Là, en l'occurrence, donc on a Renatal pour vous montrer qu'en fait, ces personnages-là sont pas n'importe qui. Et Renatal... On vous le montre cinématographiquement, j'ai envie de dire. On vous montre que Renatal, il rigole pas. Il a une épée assez violente. Cette épée s'appelle Vorpalia d'ailleurs. Hein. Vorpal qui est pas un choix, qui est pas un choix anodin, parce que Vorpal, c'est une épée, si je dis pas de bêtises, qui a été créée par... comment il s'appelle? J'ai oublié le nom de l'auteur, mais c'est celui qui a fait Alice au Pays des Merveilles et qui a créé en gros la légende d'une épée magique, etc. Et du coup, bah, y a plein d'univers d'Heroic Fantasy où il y a des épées Vorpal. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que vous avez... Vous avez par exemple Zeratul qui a également des lames Vorpal. Alors cette épée donc c'est Vorpalia. Vorpalia donc c'est une épée tout simplement avec qui est douée, qui a une propre conscience, qui a son propre anima. Donc en gros il y a une âme dans l'épée, hein, et du coup c'est une épée qui a sa propre conscience. Et moi j'adore Vorpalia honnêtement, ce personnage assez intéressant Vorpalia, et qui est fidèle à Renatal et qui adore son maître. Et comme c'est une épée, elle est assez froide et
assez agressive, on va dire. J'aime beaucoup aussi la lueur dans les yeux de Renatal. On en verra après, mais j'aime beaucoup. Renatal, en plus, le doubleur est excellent, parce qu'en français, en tout cas, parce qu'en anglais, le doubleur est bon, hein, mais en français, j'adore ce doubleur, celui qui double Xul dans Heroes of the Storm. Mais surtout, si vous connaissez la trilogie du samedi, il double Cole dans Charmed, et c'est tout simplement, alors, il double l'acteur, d'ailleurs, de Cole, de Charmed, dans plein, dans Nip Tuck également, et autres. Et j'adore, et bah, du coup, il fait aussi Dr. Fatalis dans Les 4 Fantastiques. Et j'adore ce doubleur français, il est excellent je trouve. Et du coup sur Renatal ça rend super bien. Denatrius ! Et là par contre, ce que je trouve en termes de mise en scène encore une fois, Denatrius qui regarde vers l'antre. Et qui par la pensée donne des ordres à Remornia. Alors Remornia, c'est exactement comme Vorpalia, ce sont des épées qui sont douées d'anima, douées de leur propre conscience. Remornia reste fidèle à Denatrius, là où Vorpalia reste fidèle à Renatal dans cette guerre. Et du coup, alors pour le moment, on sait qu'il y en a d'autres épées, mais c'est les deux les plus présentes, et c'est pas pour n'importe qui au final, puisque bah, c'est le roi de Revendreth et le prince Renatal, donc le numéro 2 directement, mais j'y reviendrai juste après. Ce que j'adore aussi avec l'attaque, c'est que... on entend l'épée qui crie. Je trouve ça génial. Le principe est extraordinaire, je trouve. L'épée qui crie, je trouve ça... Elle crie en attaquant, je trouve ça génial. Et encore une fois, bah, en fait, il maîtrise, il contrôle par la pensée l'épée Denatrius, mais en plus de ça, bah, l'épée est douée de conscience. Donc on voit le pouvoir de Denatrius, parce que même sans même lever le petit doigt, littéralement sans même lever le petit doigt, il y a Renatal qui s'effondre devant lui. Et j'adore la lueur dans les yeux. J'adore la lueur dans les yeux. On dirait presque qu'il a l'antre dans les yeux, en fait. Comme l'antre est en contrebas, on a presque... Alors, bien évidemment, non, hein, Renatal a cette vision en permanence, mais on a presque l'impression qu'il y a cette espèce de reflet de l'antre qui est devant lui, dans les yeux. Je trouve ça génial. Est-ce là ton ultime combat héroïque? Alors, évidemment, Denatrius, qui a toujours été un personnage extrêmement charismatique, très apprécié des joueurs au final, Denatrius, et Denatrius qui est toujours avec sa verbe, on va dire, son verbiage très aristocratique et surtout très hautain. Il continue de prendre de haut, littéralement de prendre de haut d'ailleurs, Renatal. Alors, faut pas oublier que le titre de la vidéo s'appelle « N'oublie jamais cette leçon hein. ». Et on va voir, mais justement, là, il se fout un petit peu de sa gueule, voilà. Est-ce là ton dernier combat héroïque? Référence bien sûr au fait qu'il l'a déjà battu. Tant d'années durant. Ce qui est assez drôle, c'est que, alors, bien sûr, on pourrait me taxer de surinterpréter les événements, etc. Mais il aurait pu le gérer, le contrôler par plein de manières. Alors, évidemment, le prendre par le coup, c'est à plusieurs significations. Le prendre par le coup, c'est montrer que bah, tu asphyxies ton adversaire, donc tu le tiens dans le paume de, tu tiens son sort dans le paume de, dans la paume de ta main. Mais en plus, ce qui est assez drôle, c'est que Renatal a toujours été dans l'ombre de Denatrius et il a toujours été asphyxié, étranglé métaphoriquement par Denatrius, même à l'époque où il le servait, puisqu'il était vraiment aux ordres du maître, etc. Donc c'est assez drôle de le ramener, sachant quand même que généralement quand t'es un méchant, tu veux prendre de haut ton adversaire. Il le ramène à son niveau, à sa taille aussi. Châtier des âmes arrogantes. Tout en maintenant un léger axe quand même incliné. Mais au lieu d'apprendre... Voilà, il lui dit, tu quand même en tant que moissonneur... Là c'est une référence directement à son titre de moissonneur. L'année durant, tu as châtié des âmes arrogantes. Mais au lieu d'apprendre de leur souffrance, la tienne s'est également pervertie. Donc ça c'est assez drôle, alors... Comment l'interpréter? Parce que bon, on va pas se mentir, Denatrius est extrêmement arrogant, donc qu'un arrogant traite quelqu'un d'autre d'arrogant, bon, on dirait un débat Twitter, quoi. Mais le truc, c'est juste que j'aime... Enfin, c'est assez dur à... D'un autre côté, il y a plein de manières de l'expliquer, bah oui, hein, en tant que Ventir, il a forcément moissonné, torturé des âmes, et du coup, bah c'est vrai qu'en fait, le but à la base, quand vous allez à Revendreth en tant qu'âme, c'est d'en prendre plein la gueule par rapport aux fautes que vous avez commises, et derrière, un jour, d'avoir cette rédemption qui vous est enfin accordée, et derrière, de devenir un Ventir pour faire... le rôle de justement essayer de faire en sorte que les autres aussi fassent leur propre rédemption. Le problème c'est que du coup bah, certains vont rester, enfin globalement la plupart des Ventir vont du coup devenir assez arrogants parce que bah ils prennent les âmes de haut puisque bah eux ont fait leur rédemption.
ce qui est assez contradictoire d'un autre côté, mais du coup c'est assez intéressant parce que il y a cette idée d'apprentissage en permanence, sachant que là je vais pouvoir y venir, c'est pas n'importe quoi, le fait qu'il y ait un apprentissage, la leçon, etc., n'est pas là pour rien. Denatrius est l'éternel de Revendreth, c'est celui qui a fondé Revendreth, tout son pouvoir est à Revendreth. Mais Rey Natal, c'est pas n'importe qui, c'est le premier des Venthyr. Alors, bien sûr, le premier des Venthyr, on pourrait dire que c'est Denatrius, mais Denatrius a créé les Venthyr à son image, et le premier Venthyr qui a été créé, c'est lui. C'est Rey Natal. Et c'est pour ça que Rey Natal, d'ailleurs, s'appelle Prince, là où les autres ont d'autres noms, Marquis, machin, etc. Lui, c'est vraiment le Prince, parce que c'est le numéro 1 des Venthyr, c'est le numéro 2 de Revendreth, et donc c'est l'héritier, à la fois, je dirais métaphorique, mais aussi en termes de fait, de Denatrius. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que quand Denatrius va se barrer, c'est Renatal qui prend la place d'émissaire de Revendreth pour parler aux autres éternels. Après, ça ne fait pas de lui un éternel, hein, qu'on soit clair, ça reste un Venthyr, mais c'est assez drôle de voir ça. Donc il y a un peu ce lien père-fils, hein, avec le roi et le prince, sachant que c'est l'un des titres d'ailleurs de Denatrius, si vous avez du mal à accorder, c'est l'un des titres de Denatrius. Il y a une stèle avec tous les titres, enfin une partie des titres de Denatrius, et il y a roi de Revendreth. Donc le prince, c'est littéralement bah, son fils, quoi. C'est son fils dans plein de sens du terme. Donc c'est assez drôle de voir, voilà, qu'il lui fait encore une petite leçon. Tu devais juste obéir. Donc là, ce qui est assez intéressant, alors le doubleur bien sûr fait un super travail sur Denatrius. Moi en plus je connais pas trop ce doubleur, donc c'est encore doublement intéressant. C'est que même des fois quand tu connais le doubleur et qu'il fait un super travail, t'es content. Mais quand tu connais pas le doubleur, t'es aussi agréablement surpris. Moi je fais beaucoup de, j'écoute beaucoup les doubleurs, etc. C'est vachement bien d'avoir un comédien de doublage que je ne connais pas, j'aime aussi être surpris. Donc ce doubleur est très très bon. Et au final, eh bien, il chope Renatal et il dit qu'il est déçu de son fils, en fait, hein. Il est déçu de son fils parce que bah, il l'a trahi et il devait lui obéir pour justement le guider sur la voie. En gros, Denatrius essaye de montrer, on sent. Oh, ne t'en fais pas. Tu vas assister au spectacle magistral qui s'annonce. Bon, c'est toujours le côté l'esbrouffe de Denatrius, hein, quand on fait des tonnes. Mais j'aime bien le fait que pendant un moment, Renatal pense qu'il va mourir. Mais Denatrius lui dit non, non, t'inquiète pas, tu vas pas crever, je vais te garder en vie. Encore une fois, dans ce lien père-fils, je vais t'apprendre une leçon, justement. Je vais t'apprendre une leçon. Tu aurais dû me suivre, puisque si je fais ça, c'est aussi pour toi et c'est aussi pour les Terres d'Ombre. Chaque précieuse goutte d'anima, péniblement arrachée à l'âme torturée des créatures inférieures. Alors ça, je vais y venir parce que ce qui est assez intéressant, c'est que ça fait écho à la cinématique de Revendreth que j'ai déjà. Bah, bien sûr, ça fait la suite déjà de cette vidéo. J'aurais dû le dire en intro, mais en plus de ça, en fait, ça fait la cinématique de Revendreth. On vous présente bah, les éternités Revendreth. On voit quoi? On voit ces statues-là, vous savez, avec l'âme d'un plusieurs âmes mortelles et un troll qui se fait aspirer. Bah, là, ce qui est assez drôle, c'est que on a la même statue, vous savez, c'est celle qui monte là. Et ce qui est drôle, qu'on va revoir d'ailleurs après, et ce qui est assez drôle, c'est que là en fait, bah, on n'a plus d'âme. Vous voyez que les âmes ont déjà été siphonnées, et du coup, eh bien, on siphonne carrément les vipères qui sont les gardes. Et ceux, en fait, bah, en plus là, on voit la chauve-souris et le vipère, c'est littéralement les deux qui ont protégé Denatrius en bloquant l'accusade. Alors, je ne sais pas si c'est les deux mêmes, mais le symbole est là, la symbolique est là. Même ceux qui ont protégé Denatrius se font siphonner. Parce que c'est les créatures inférieures, c'est le garde et la faune locale. Donc bon, en gros, c'est le chien de chasse, enfin le faucon de chasse, parce que là c'est une chauve-souris, mais le faucon de chasse pour l'idée du chasseur, et le garde qui sont du menu fretin, donc on s'en fiche un peu. Donc on Par récupère leur anima. désormais la route du banni. Donc là c'est important. Donc c'est pour vous montrer que voilà. Alors ce qui est assez important aussi, c'est qu'il y a un double emploi, c'est vous montrer qu'il en a rien à foutre, même de certains. Enfin, en tout cas, les très bas subalterne, qu'il a créé lui-même de toute façon. Et à côté de ça, il y a un autre point, c'est qui est un peu ambigu, c'est qu'il dit il a récupéré péniblement du coup l'anima de toutes les créatures inférieures, donc encore une fois très arrogant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ne nous montre pas Bastion, on ne nous montre pas ailleurs, on nous montre Revendreth avec des gardes de Denatrius. Vous allez dire, bah, on s'en fout. Bah non, en fait, le problème, c'est qu'il y a quelque chose d'assez. Je vais y venir après, mais en fait, après cette cinématique, quand vous parlez à Renatal, il va présenter le fait. Il va aller voir Auribos, il va aller voir les Éternels, justement, comme je disais, il va devenir le représentant des Éternels, le représentant de Revendreth auprès des Éternels. Il va parler à l'Archonte, la reine de l'hiver, etc. Et il va dire, bah voilà, en fait, Denatrius nous a trahis et. Il va dire que c'est lui qui est responsable de la pénurie d'anima dans toutes les Ombre-Terres, donc dans toutes les terres d'ombre, et dans toute l'Ombre-Terre. Donc ça, c'est un peu bizarre, parce qu'en fait, quand vous voyez
Quand vous voyez ce plan, on a plus l'impression que c'est que la pénurie de Revendreth. Mais au final, Renata dit que c'est justement, il est responsable de toute la pénurie qui touche les Terres d'Ombre. Or, en fait, bah qu'est-ce qu'il en sait? J'ai envie de dire, enfin, il y a de fortes chances que ce soit bien le cas, mais d'un autre côté, c'est un personnage qui te dit ça, qui n'est pas omniscient. Ce serait un éternel qui te dirait ça ou autre, t'aurais plus tendance à le croire. Mais là, c'est Renata qui s'est fait bah, doubler plein de fois, donc que lui-même t'affirme quelque chose comme ça, il faut forcément avoir un petit esprit critique et prendre du recul et dire bah ouais mais il faut nous le confirmer. Après dans la campagne de congrégation à Oribos et tout, il arrête pas de le redire et de le redire et de le redire, donc ça semble, Blizzard semble nous dire que oui c'est bien le cas, mais c'est vrai que d'un autre côté moi j'ai quand même, j'attends encore un peu une confirmation par d'autres personnages parce que pour le moment c'est vrai qu'on peut mettre peut-être un peu en doute la parole de Renatal, c'est pas qu'il ment hein, mais c'est que bah il a pu se faire avoir. Donc il nous manque encore bien sûr pas mal d'informations concernant Denatrius et surtout concernant le geôlier, et là on va y venir justement à la transition. Pave désormais la route du banni vers ce qui lui revient de droit. Donc là c'est très intéressant parce qu'évidemment on connaît pas tous les tenants et les aboutissants des motivations du geôlier. Là il nous sort que voilà toute cette anima va servir à libérer le geôlier, cette route pavée pour lui, et il va récupérer ce qui lui appartient de droit. Donc un éternel qui trahit les autres éternels au profit d'un dernier éternel, donc le geôlier, c'est assez intéressant. Depuis quand Denatrius est de mèche avec le geôlier? Est-ce que c'est pendant la mise en captivité du geôlier? Est-ce que c'est avant? Est-ce que ça faisait partie du plan de l'enfermer? On sait pas trop, on aura plus d'infos dans le futur. Il semblerait, il y a quand même de fortes chances que Denatrius soit allié au geôlier depuis toujours. Maintenant, pourquoi l'avoir contribué à l'enfermer? Ou alors, est-ce que c'est le geôlier qui lui a parlé, qui lui a dit « Bah mec, regarde ce que je pourrais te proposer, est-ce que ça t'intéresse ou quoi ?» Ça, on ne sait pas. Donc on ne sait pas s'il bosse depuis toujours avec le geôlier. Parce que c'est pas vraiment pour le geôlier, c'est plus avec le geôlier. C'est quand même deux éternels, donc ils sont sur un pied d'égalité. Donc est-ce qu'il bosse avec le geôlier ou est-ce que depuis son enfermement, ou est-ce qu'il a toujours bossé pour le geôlier? Ça, on en apprendra plus tard. Et de ses entraves. Donc voilà, on va le libérer de ses entraves. Une fois libéré de ses entraves, alors... Et qui appartient, enfin qui lui appartient de droit aussi, je vais revenir dessus. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on pourrait avoir donc l'ancien statut du geôlier. On aura probablement des infos sur l'ancien statut du geôlier avant qu'il se rebelle, et avant qu'il devienne une menace et que du coup les autres éternels l'enferment. Est-ce que justement le geôlier avait un... Enfin, c'est intéressant parce que ça pourrait nous donner l'impression que le geôlier, il a vu des choses. C'est sûr que ça ressemble beaucoup à Sargeras pour le moment. La construction du geôlier fait énormément Sargeras en mode hey, il y a un panthéon, il y a un mec qui vrille pour peut-être des raisons légitimes, mais il vrille. Et du coup les autres essayent de l'affronter, on en a déjà un peu parlé. Après c'est pas une mauvaise écriture, c'est juste que ça fait peut-être un peu redondant. On comprend du coup pourquoi ils ont changé le style graphique. Parce qu'au départ, si vous regardez la BlizzCon, etc., les modèles de la BlizzCon 2019, les modèles du geôlier, c'était un Sargeras, c'était un Neptune-Pluton, quoi. C'était un Poséidon into Hades. Bon, ça faisait très titan au final, donc ils ont heureusement dégagé ça. Mais sa volonté seule suffira à tout éradiquer. Alors là, c'est assez intéressant. Donc voilà, il dit que bon, le geôlier en se libérant deviendrait tellement puissant qu'il serait capable de tout éradiquer. Bon, sur le papier, ça fait pas très très gentil. La seule puissance qui émergera de ce... Ça, c'est vachement important. Torrent impétueux sera la mort. La seule puissance qui émergera de ce conflit sera la mort. Et ça, c'est très drôle parce que la mort... Alors, on rappelle, au niveau spatio-temporel, au départ, ils étaient ici, ils ont été jusque-là, et vous voyez que Denatrius, comme une maman lionne qui chope dans ses crocs son lionceau, le redéplace ici, au final. D'ailleurs, il le chope par le cou, généralement, les lions le chopent leurs enfants par le cou. Bon, avec affection, hein, là, il n'y a pas vraiment d'affection. Enfin, une affection particulière, on va dire. Celui d'un père qui bat son fils, mais... Mais il l'a sorti justement de la zone de danger, parce qu'on va y voir, on va y revenir juste après. Et vous voyez, ça c'est les statues encore une fois qui grandissent et qui vont se refermer. Bon ça c'est encore une fois un écho, mais concentrez-vous plutôt sur ce qu'il dit. Le fait que justement une puissance émergera, la mort, et si on met les sous-titres d'ailleurs, j'ai pas mis les sous-titres, mais la mort avec un M majuscule, en anglais c'est pareil, c'est Death avec un D majuscule, eh bien... On a la force cosmique, quand on vous met un M majuscule pour la mort, comme ça, c'est vraiment l'idée de la force cosmique de la mort, ou en tout cas l'incarnation, la représentation de la mort. Du coup, dans la force, justement, donc la seule puissance qui émergera sera la mort,
On sent, ça revient bien sur la vidéo qu'on avait, que j'avais décryptée avec, vous savez, le petit livre qui indique que la mort, le geôlier, en tout cas la mort essaierait de prendre le dessus sur les autres forces cosmiques, alors qu'il est censé y avoir un équilibre entre les forces cosmiques, et du coup la mort essaierait de vaincre les autres forces cosmiques. Denatrius serait lié au Natrezim, le geôlier serait lié au Natrezim. Et du coup, bah, peut-être que justement ce plan-là existe depuis très longtemps et ce serait peut-être une des raisons pour laquelle le geôlier a été enfermé. Et depuis, il a toujours bossé dans l'ombre, sans mauvais jeu de mots, pour pouvoir bosser là-dessus et essayer de faire en sorte que la mort triomphe des autres puissances cosmiques. J'ai hâte de voir tout ça. Mais donc là, il parle vraiment de la mort. Il sert la nation, quoi. Sera la mort. Il sert la patrie. La mort et ceux qui auront assuré sa victoire. Là, on a une des raisons, un des motifs de pourquoi Denatrius fait tout ça, c'est que bah, déjà, lui, il représente la mort aussi. Hein. Revendreth, c'est les terres d'ombre, c'est la mort. Hein. Donc, il veut être dans le camp du vainqueur, simplement. Et il pense que le geôlier est très puissant. Enfin, clairement, le geôlier est très puissant, mais il considère que le geôlier est extrêmement puissant et que si la mort triomphe des autres forces cosmiques, bah, il aura gagné. On sait d'ailleurs que Denatrius a affronté des forces cosmiques par le passé. Notamment la lumière, c'est pour ça qu'il y a une partie de Revendreth qui est bombardée par la force cosmique de la lumière avec un grand L. Donc il y a clairement des précédents entre les forces cosmiques, ça on l'a vu sur toutes les zones hein, bien sûr. Mais clairement entre Revendreth et la lumière il y a eu embrouille. Donc il veut peut-être justement, on sait qu'il y a un passé, un passif entre une force cosmique, la lumière et Revendreth, et donc la mort. Donc peut-être que justement il va vouloir, enfin peut-être que c'est l'une des raisons, l'une des motivations de Denatrius pour gagner. On ne sait pas ce qu'il a perdu, on ne sait pas ce qui s'est passé, hein, bien sûr on en apprendra plus. Mais donc ça fait un peu écho à tout le passage avec les Natrezim et autres. Quelqu'un vous en empêchera, Denatrius. Voilà, petit clin d'œil aux joueurs, évidemment. C'est les joueurs qui vont vous arrêter. Même si j'ai... Oh chut, ne parle pas. Ne parle pas. Ça, c'est moi quand vous parlez... Enfin, quand... Ça, c'est moi quand les joueurs disent « Ah ouais, le joueur est canon, c'est trop bien. » Chut, non, non. Ça, c'est vraiment moi, l'autre. Ah, les joueurs vous arrêtent. Chut, ta gueule. Chut, arrête. Arrêtez de parler des joueurs. Si vous comprenez pas pourquoi, je n'aime pas l'intégration du joueur dans le récit de World of Warcraft, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur Chronicles où j'en parle plus en détail. Donc observe, voilà, il va lui montrer. Là on voit encore les statues, bah, j'en parlais, les statues, vous savez, qui se lèvent et qui descendent. Et là l'explosion, donc on voit justement que tout va s'arracher. Ça c'est clairement pour vous montrer que Denatrius, et même si ça avait pas suffi, on vous remonte, là encore une fois le reflet avec l'antre, moi je trouve ça génial, même si c'est ses yeux normaux, mais ça fait trop bien. Là on vous montre qu'il détruit une partie de Revendreth, il sacrifie littéralement Revendreth, une partie de Revendreth pour alimenter l'antre, avec tout l'anima également stocké depuis probablement des siècles et des siècles, et il balance tout dans l'antre, ce qui fait que l'antre change de couleur. Elle était orange, noir, maintenant elle devient rouge et noir, vraiment le sang, le rouge c'est la passion, c'est le sang, c'est plein de représentations au niveau couleur, au niveau colorimétrie. Et du coup c'est assez intéressant de voir ça, puisque bah, là on voit vraiment un aspect très négatif, très sombre, très infernal, j'ai envie de dire. Donc c'est assez intéressant de voir ce moment. Le petit sourire, il le sauve. Et il s'en va, donc là il va s'en aller à Natria. C'est d'ailleurs étrange, la plupart des viewers, quand on l'avait montré en stream, la plupart des viewers disaient, mais pourquoi il va pas dans l'antre en fait? Pourquoi il reste à Natria? C'est vrai que... Bon, fallait l'affronter, donc... Mais c'est vrai qu'il aurait pu rejoindre son allié en fait, hein, derrière. Mais bon, ça c'est probablement du gameplay. Cette leçon. Donc n'oublie jamais cette leçon, moi je le vois vraiment comme une transmission de... Il faut que Renata l'apprenne de ses erreurs. Il y a vraiment la transmission père-fils ici que je trouve assez, assez intéressante. Et à la fin, voilà, on nous montre que bah, l'antre a changé. Et à partir de là, d'ailleurs, c'est assez bien fait. C'est-à-dire que l'antre change de tête aussi pour s'adapter à la cinématique. Donc à partir de cette cinématique, une fois que vous avez vu cette cinématique, l'antre change de modèle. Et ça, c'est cool. Alors, elle change de modèle extérieur, mais dans l'antre, ça change pas. C'est toujours une dominance... orange, ce qui n'est pas une incohérence en soi, c'est un peu dommage, mais on peut comprendre aussi que c'est pas totalement changé. Mais de l'extérieur, donc la porte, on va dire, eh bien l'entrée, celle qu'on voit d'Oribos, etc., est rouge. Donc là-dessus, c'est assez, assez sympathique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On a fait un petit peu plus long que prévu, mais ça va quand même. Comme je l'ai dit, on fera plus tard des vidéos sur chaque zone, histoire de refaire un point sur les personnages,
des zones, etc. On va faire un point sur les motivations de chaque zone entre l'Arconte et les Kyrianes de Bastion, les Ventir, etc. En tout cas, voilà, cette cinématique, cette analyse et cette cinématique décortiquée, bah, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez des observations que j'ai pas relevées? Est-ce que vous avez des questions ou autres? N'hésitez pas, je vous fais plein de bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus dans le Nexus et dans les Terres d'Ombre. Et vous pouvez bien entendu en profiter pour lâcher un petit pouce, un petit like hein, sur la vidéo. Vous pouvez également partager la vidéo autour de vous. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Là, je serais triste si vous n'êtes toujours pas. Et allez voir les autres vidéos, évidemment, des playlists, que ce soit Shadowlands, Warcraft, Starcraft, etc. Bisous!